Ah, quelle joie de te retrouver, mon beau JD. Comment tu vas? Eh bien, ça va, mon beau Jaco? Ça va Mais bien? qu'est-ce que je veux dire? Il fait froid chez toi ou quoi, là? Il Vous fait avez un problème? froid, il pleut, il y a du vent, il manque plus que la neige, mais la neige, je la vois devant moi dans les Pyrénées à 70 km et c'est enneigé et c'est merveilleux. Ok. Écoute, on va aller du côté de la Charente, là. Bonjour, Jérôme. Comment vas-tu? Salut, salut, Ah, Pays de toi, la il fait Loire. beau. Toi, il fait. Oh, pardon, excuse-moi. Je m'excuse autant pour moi. Mais tu sais, nous, ici, au-dessus de Lyon, on ne connaît pas grand-chose. Hein. Bon, enfin, C'est bref. ça, c'est le Grand Donc, Nord. par contre, chez vous, il a l'air de faire très beau. Il fait beau aujourd'hui, ouais, ça va, ça va. Voilà, Ouais. JD, ce n'est pas la peine d'aller si loin pour se dégeler. Et Isabelle, Non. toi, tu. Normal, Bah, normal. avec le chauffage, On a un peu de avec soleil, le. voilà, il fait froid, quoi. On approche de l'hiver, on est en plein hiver quand même, hein. Donc voilà. Voilà, donc mon petit Jérôme, je te remercie de ta présence, ça me fait bien plaisir. Et pourquoi Isabelle? Oh, Isabelle, pour deux raisons aujourd'hui. C'est parce que d'abord, j'ai souhaité, comme c'est la marraine de l'émission, quand on reçoit quand même quelqu'un d'assez important dans cette émission nationale et internationale. Bah quoi, c'est bon, laissez-moi me faire plaisir. Voilà, donc Isabelle est là, on vous fera une petite surprise tout à l'heure parce que elle a une bonne raison d'être là également. J'espère que vous allez bien, Jérôme, je te remercie. Je sais que tu as participé à l'émission de Clémence la dernière fois et ça nous a fait bien plaisir. Mais moi, j'ai donc décidé de pouvoir te consacrer une émission parce que tu fais quand même beaucoup pour l'accordéon, alors que tu pourrais peut-être faire autre chose. Mais toi-même, pendant ces grands moments, je sais que tous les jours, on peut te voir pratiquement sur YouTube ou pratiquement tous les jours. Ton frère également. Tu fais partie des gens qui font beaucoup pour les gens qui aiment l'accordéon, la danse. Même si tu pouvais aussi faire valoir ton talent par d'autres choses. Voilà, donc je te remercie, JD, on a fait un super programme. Eh bien, on a essayé de voir Jérôme dans toutes ses facettes. Fin 91, début 92, il y a eu l'explosion de l'émission de Michel Prouveau sur un air d'accordéon. Eh bien, Michel Prouveau crée pour la première année de cette émission les trophées espoirs de l'accordéon. Le Ah trophée, ce ouais? n'est pas lui qui l'a gagné. Ça fait Il est arrivé 2 ans toujours de moi. second, il est arrivé second, mais il a gagné quand même 4 000 francs à l'époque. Ah Parce oui, que. parce qu'ils le disent en plus dans le Mais truc, oui, ouais, mais le oui, tapis mais là. oui. Le premier qui Je me sait qu'il a souviens gagné. plus. Alors, tu vas voir les images, c'est magnifique. Jérôme, moi, ce que je voudrais savoir, t'en as fait quoi des 4 000 francs? Mais ils n'ont pas Eh bien, écoute, j'ai déclaré. dû acheter une tonne de bonbons, quoi, à l'époque. Ils les ont Alors, pas déclarés en plus. un truc de dingue. Le premier trophée, le premier titre, le premier prix qu'a gagné, c'est Noël Aurélien. Oui, Aurélien Noël, Aurélien. ouais. Qui s'appelle qui enfin maintenant qu'on appelle Aurélien Noël, mais c'est Michel Oui, Prévost qui oui. l'appelle Noël Aurélien. Comme quoi, il s'était pas fait un nom. Par contre, quand il dit le deuxième prix, c'est Jérôme Richard, bien il Il l'appelle s'est pas Jérôme trompé. Richard parce que Ah, il déjà est pas Jérôme fou. Richard s'est fait un nom. Et là, on va retrouver Jérôme Richard dans une valse qui s'appelle la valse à Didier. Oui, Jérôme, voilà, de c'est par rapport à Frétière. Didier Ouvrard. D'accord. Exactement, voilà. On Alors, on écoute. écoute tout de suite donc la valse à Didier avec Jérôme Richard, tout jeuneau, tout D'accord, beau. Il a c'est 11 ans. parti. Avec Jérôme Richard, qui lui se voit remettre un chèque de 4 000 francs aujourd'hui. Et puis, il nous interprète son morceau fétiche, la valse à Didier. Jérôme Richard. Thank you.
Instant d'émotion dans le public du Macumba de Lille pour la première place du trophée des jeunes espoirs dans quelques secondes. Pour certains, ce sera la joie, pour d'autres, la déception. Et oui, la joie pour Noël Aurélien, vainqueur du premier trophée des espoirs. Et il nous interroge. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. Bon, ça va passer le mois de décembre, mais là, on s'en fiche. Là, c'est personnel. J'ai décidé, la production de mon émission a décidé qu'aujourd'hui, c'est l'euro million. Vous savez qu'il y a 200 millions à gagner. Donc, j'ai décidé de faire une grille pour nous cinq, parce que Isabelle, tout à l'heure, on comprendra, nous donnera deux numéros. Et si jamais cette grille, je vous donnerai les numéros, hein, on les marquera. Si ce soir, on a gagné les 200 millions, ça fait 40 millions chacun. Ça vous va, vous voulez jouer? C'est moi qui paye, c'est la production qui paye. Hein. Bon, bah alors ça va, alors si c'est la production. Bon, si vous gagnez 40 prix, je vous retirerai les 20 euros, bien entendu, vous n'aurez pas tout à fait la même somme. Donc. Hein, monsieur est trop gentil. Voilà. Donc, Jérôme, donne-moi un numéro entre 1 et 50. La production est royale. Entre voilà. 1 et 59. Eh bien, écoute, le. Non, 50. Entre 1 et 50, j'allais dire le 44. Tiens, je viens du 44. Allez. D'accord. Isabelle. Le 1. Ah oui, vaut mieux être le premier que le dernier. Donne-moi-en un deuxième, toi, tu sais pourquoi après. Le 30. JD. Le 26. Et moi, je vais donner le 18. Jérôme, redonne-moi un numéro entre 1 et 10. 5. Et Isabelle, entre 1 et 10. 20. Voilà, donc je vous enverrai un petit SMS en vous donnant la grille. Ce soir, vous regardez, si jamais vous m'appelez ce soir à 1h, c'est qu'on est riche et que là, je pourrais m'acheter un accordéon tout neuf. Bon, c'est parti. Donc, on continue l'émission. Et ça, tout le monde le voyait que dans l'accordéon, il y a comme une solidarité. Voilà, imaginez-vous qu'on gagne. Vous allez voir un peu comment ils vont dire. Ah ben là, tout le monde va vouloir venir à l'émission, Isabelle. On continue. Medley tango, un beau medley tango maintenant. Eh bien, on va retrouver Jérôme Richard et Michael Richard. C'est en voilà. 2014, tu te rappelles de ça, Jérôme? Oui, c'est un séjour que je réalise chaque année au mois d'octobre, au village de la Châtaigneraie précisément. À Morse-la-Jolie, ça se trouve à Morse, tout près d'Aurillac. Voilà, exactement. Morse-la-Jolie, ouais. C'est un gala d'accordéon, c'est où toi tout seul et où, comment... Sud Cantal, on fait danser les gens tous les midis, tous les soirs. Et il y a différents. Oui, il y a un petit peu de choses, spectacles durant la semaine. Il y a des excursions également durant la journée. Et ouais, c'est un séjour qu'on réalise depuis 7-8 ans déjà. Voilà, qui est plutôt sympathique. Allez, alors on écoute ce beau duo. Thank you.
Voilà, ça c'est un beau lieu. Isabelle, est-ce que tu as fait des choses en commun avec Richard ou enfin je veux dire au niveau musical, hein, je vous prenons. J'ai pas le souvenir, Jérôme. Non, on s'est rencontrés plusieurs fois sur les salons, par exemple. Mais non, c'est vrai qu'on n'a jamais eu, pas encore, en tout cas. Pas encore, mais j'espère bien, j'espère bien. Pourquoi pas ? Alors, Jérôme... Les deux, je crois qu'on s'estime chacun mutuellement, ça c'est clair. Bien sûr, ouais. Voilà, quand on se croise, en tout cas, on s'apprécie, quoi. Donc... Alors, il y a des choses, vous savez, j'ai fait des recherches ce matin, j'ai deux bouquins qui avaient été faits en grande partie par Danny Morris, où oui. Même moi, là-dedans, j'apparais, c'est un truc de dingue, comme quoi, des fois, ils avaient besoin de remplir des pages, Isabelle également, plusieurs fois, d'ailleurs, j'ai des belles photos de toi, Isabelle, je n'aurais pas trop les montrer, parce que je pense que ça a une certaine valeur financière. Jérôme, par contre, je ne t'ai pas retrouvé. Jacques, je rebondis là-dessus parce que je crois qu'il y en a une très belle et elle est dans les livres de Danny Morris. Ça doit être où je suis en compagnie de Marcel Azola d'un côté et Bruno Lorenzoni de l'autre. Je crois bien que c'est dans un des livres de Danny Morris, justement. Peut-être. Moi, j'en ai une autre où tu es un peu allongé par terre avec une robe blanche assez courte et c'est très joli. Alors, donc. Mais Jérôme, par contre, j'ai pas vu c'était volontaire ou parce qu'il t'avait pas contacté ou ça m'a quand même non. Un peu étonné que tu n'apparaisses pas dans ces bouquins-là. Écoute, je ne sais pas du tout. Pourtant, Dani, on s'est toujours bien estimé. On s'est rencontré plusieurs fois également sur certains galas ou comme avec Isabelle sur différents salons, etc. Après, moi, je suis un petit jeune. Hein. Bah ouais, mais bon, ouais, enfin, ouais, c'est quand vrai. Quand est-ce qu'ils sont sortis ces bouquins? Bah, écoutez, nous allons passer le prochain morceau et puis je vous en ferai part, je vous les montrerai et on va regarder un peu en gros comme ça, parce qu'il parle beaucoup de beaucoup d'accordéonistes. C'est seulement, comme il était quand même en région parisienne, je soupçonne quand même d'avoir plus de contacts avec, c'était plus facile pour lui peut-être d'aller rechercher des archives sur les Parisiens. Renverse-moi si tu peux, mais là, avec le poids que je fais, ça ne doit pas être facile. C'est ce que tu as choisi, mon petit JD. Oui, on va retrouver l'émission d'un, deux, trois danser, Jérôme Richard et James Le Sueur. Ah ouais, James Le Sueur. Oui, voilà. Donc avec Renverse-moi, si tu peux. C'est le morceau, je crois, où si on regarde bien, parce que je les ai regardés un peu vite fait, mais c'est un morceau où James joue complètement de la main gauche pendant un moment au début. Hein. Au début, oui, absolument. Tout au début. Parce que c'est un peu sa spécialité, il aime bien faire ça quand même. Moi, j'avais vu faire ça il y a deux ans dans les Vosges. C'est quand même assez impressionnant. We'll be right back.
qu'on retrouve ces bouquins de Danny Morris. Je ne connais pas trop l'année, mais là-dessus, si vous pouvez les retrouver, je ne sais pas si on peut les retrouver. Isabelle, tu peux peut-être me renseigner plus que moi. Alors ça, c'est un peu compliqué hein, maintenant, parce que malheureusement, après Danny Morris, bah, les contacts, ça s'est un peu arrêté. Et pour trouver les livres maintenant, c'est un peu compliqué. Mais bon, on peut, s'il y a des gens qui cherchent, voilà, on cherchera avec eux. Et il y a peut-être quelques livres qui restent encore. De toute façon, c'est avant le 2002 parce que c'est encore en francs français. Je te dis, c'est 90, moi. Ça doit être le prix, 90, le prix était de 150 francs. Bon, ah, mais quand même, ça. Tu vois, Jacques, si c'était en 90, j'avais 10 ans. Bon. Voilà. Ah bah ouais, bah alors ouais, c'est normal. Normal que je n'apparaisse pas. Oui, il n'avait pas encore gagné le trophée non plus. Non, mais ça m'étonnait un petit peu parce que je me disais quand même, c'est quand même bizarre que Jérôme ne soit pas dessus. Voilà, que mon petit, le rodéo, alors le premier, moi je me rappelle des galops, ce que vous appelez les galops, qui m'a toujours un peu impressionné parce que je me disais quand même, les mecs, comment ils font pour faire ça, mais bon, c'est ça, c'est un autre problème. Et toi, tu en as créé un autre petit galop, le rodéo de l'accordéon, c'est un peu ça, non? Oui, c'est exactement ça. On en avait fait un il y a très très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a quelques années déjà, avec Alain, Musichini et Michel, et Laurent d'ailleurs, Excès de vitesse. Il y a eu sa cartoon aussi pendant un moment, Top Chrono avec Maurice, aussi l'Archange. Et puis là, j'ai voulu refaire un petit clin d'œil à ce qu'on avait fait auparavant, un petit galop intitulé c'est le rodéo de l'accordéon. Voilà, c'est ça. Oui, c'est celui que tu as joué lorsque j'ai eu la chance de participer à ton émission. Oui, c'est un extrait du dernier CD, de toute façon. Il s'appelle « Le rodéo de l'accordéon ». Les gens étaient tellement énervés que derrière, tu m'as fait faire un boléro, ça les a bien calmés. Donc, le rodéo de l'accordéon, écoutez ça quand même, parce que… Bon... We'll be right back.
et avant de parler un peu de la surprise d'Isabelle Durand, ouais, Jérôme, donc on va, je te repose un peu les mêmes questions qu'on avait posées un peu au cours de l'émission de Clémence, mais tu es un instigateur un peu des émissions à 2-3 musettes, à 2-3 dansées, et que tu organises dans les studios, souvent dans les Vosges. Dis-moi, oui, je ne suis pas tout seul. Hein. Il y a les émissions donc sont copro. Alors il y a trois émissions. Il y a l'émission 1-2-3 musette, 1-2-3 danser en public avec danseurs en temps normal et une petite nouvelle là qui vient de sortir qui s'appelle Les Belles Mélodies. Et donc toutes ces émissions sont coproduites par Vosges Télévisions que l'on remercie puisque ça fait déjà 11 ans que les émissions existent. Donc elles sont coproduites et enregistrées dans les Vosges et après elles sont rediffusées. Excusez-moi. Oui, pardon. Le téléphone, voilà. Et ensuite, elles sont rediffusées sur 27 chaînes donc locales partout en France. Prenons l'exemple de Le Mans, Angers, Rennes, via Occitanie, via Télépaïs, DC TV, etc. Une multitude de chaînes. Et donc, sur ces émissions-là, j'ai le rôle de programmateur. Et Dieu sait s'il y a du travail à contacter, joindre les accordéonistes. Et voilà, donc là, on va retourner des émissions nouvelles en février, normalement. Je dis bien normalement, et en avril 2021. Isabelle, tu as déjà participé à ces émissions ? Non, pas encore, mais c'est pourtant… merci Jérôme, parce que c'est moi qui refusais les invitations, parce que je n'avais pas de nouveautés. Mais je crois que j'ai été dans les premières à être invitée, donc un jour j'irai faire un tour quand même parce que c'est très très bien d'abord ces émissions-là. Voilà, c'est une fois de plus, c'est une émission qui fait hommage à l'accordéon traditionnel dansant. Voilà, il a sa place. Donc bravo Jérôme, justement de mettre en lumière encore l'accordéon une fois de plus en avant. Moi j'ai par contre une question. Toi qui as fait du classique, qui a fait plein de facettes différentes, pourquoi de temps en temps on ne voit pas un accordéoniste classique, un accordéoniste qui fait une autre facette que dansante? Est-ce que c'est volontaire? Alors, au tout départ, ce n'était pas volontaire, mais c'était justement les retours des téléspectateurs vis-à-vis des chaînes. Et ce n'est pas faute d'avoir insisté. Hein. Classique, jazz, tu me connais assez. J'ai facile quand même, parce que tu viens d'un domaine qui est multifacette. Voilà, et au bout de 10 ans, j'ai quand même réussi à leur faire prendre conscience que l'accordéon, c'était autre chose que la partie danse et musette, bien sûr. Elle est là, et c'est pour cette raison que cette nouvelle émission, Les Belles Mélodies, viennent d'être intégrées sur ces chaînes-là. Et je ne désespère pas pour que pour les prochains tournages en avril 2021, on puisse avoir justement, entre guillemets, du classique audible, hein, bien sûr, une petite touche de jazz manouche, etc., des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On va avoir une acrobate aussi, là, avec son accordéon. On va changer un petit peu, là. Les choses vont changer, puisque malheureusement, on ne peut plus tourner avec danseurs et public. Donc, les missions qui étaient, donc 1, 2, 3 dansées, qui, elles, étaient tournées dans un dancing, elle maintenant sera tournée dans un studio avec un nouveau décor et avec justement des artistes comme ça qui vont venir apporter une autre couleur de l'accordéon. Ah, ça va bouger un peu alors. Bah ouais, il y a un truc. Et en plus, bon, un petit message personnel, vu que l'acrobatie, je ne peux plus en faire. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc tu vas faire quoi alors? Non, Jérôme, si tu as besoin de moi pour faire payer les entrées ou emmener les gens au restaurant, parce que je signale qu'à Épinal, il y a un petit restaurant chez un Italien, là, j'y vais rien que pour ça, déjà, je ferai le déplacement. Donc vous pouvez compter sur moi. Il y a une très belle ambiance, là. Ouais, et la maquilleuse. Ou ouais, l'idée de la maquilleuse éventuellement, parce que des fois, vous avez besoin de retouches. Alors, on écoute Les Mariés de Venise.
Voilà, mon petit Jérôme, tu ne nous en voudras pas, mais aujourd'hui, Isabelle est là pour une chose un peu précise. On voudrait présenter quelque chose qu'on n'a pas entendu, un monsieur qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui a un peu changé sa facette. Et je vais laisser la parole à un monsieur que tu connais bien aussi, et je vais laisser la parole à Isabelle qui va nous présenter ça. Oui, c'est un monsieur que tu connais bien, parce que Jérôme, je t'en ai entendu parler tout à l'heure, Alain Musichini, ça te dit quelque chose apparemment. Ben, c'est marrant parce que, alors juste pour rebondir sur les Mariés de Venise, le guitariste et bassiste sur ce titre-là, c'est Tony Margalevo justement qui travaille avec Alain dans son quartet en tant que guitariste. Voilà. Exactement. Bassiste d'ailleurs, je dis des bêtises. Ouais. Ah, voilà. Donc en fin de compte, oui, c'est un peu la séquence surprise aujourd'hui parce que pendant le confinement, Alain a réalisé un nouveau teaser. Alors un nouveau teaser qui s'appelle le teaser 2020. Donc, il est pas vieux, hein. Ça vient de se faire il y a deux jours, même pas. Avec quelques extraits de ses compositions, cette vidéo a été enregistrée en janvier 2020 lors d'un concert en Italie. Donc, il a récupéré ce qu'il a fait en Italie. Jusqu'à maintenant, Alain tournait avec un quartet. Mais là, il s'essaye justement à une nouvelle formule avec un quintet. Je voudrais en profiter justement pour citer les musiciens qui l'accompagnent. On en parlait il y a deux secondes, Jérôme, avec Tony Margalevo à la guitare, Fabien Gilles à la basse, Gilles David à la batterie. Et puis le petit nouveau, puisqu'on a dit que c'était un quintet, il sera aux percussions. Là, on l'entend dans les bongos et dans les congas, c'est Nicolas Leclerc. Vous n'avez pas envie de me demander pourquoi un teaser fin 2020 par hasard ? Bah, si, on va te le demander, justement, j'allais poser la question. Très bonne question. Très bonne question. Tout simplement parce qu'Alain est en train de préparer actuellement son premier album de jazz. Il est en train de travailler dessus. Il est en train de réfléchir au titre, il est en train de réfléchir à plein de choses. Il va y avoir des choses qui vont se faire en 2021. L'ouverture d'une page Facebook, enfin, on est content parce que les informations, c'est difficile de les avoir avec Alain Musichini. Donc ça, c'est pour janvier 2021, pour suivre l'actualité d'Alain Musichini. Donc vous retrouverez pas mal de choses. Et puis, bah, en attendant, moi, je dirais qu'une seule chose, hein, soyez curieux. Et puis, je vous incite tous à aller découvrir sa chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Alain Musichini, chaîne officielle. Donc voilà, donc ça, c'est les petites nouveautés. Et il a envie de plein de choses. Donc voilà, maintenant, on va être curieux. Alors, allez sur la chaîne, cliquez j'aime, partagez, faites tout ce que vous avez envie. Voilà, voilà. Mais en tout cas, il y aura des nouveautés pour 2021, c'est clair. Alors moi, je le remercie, puis je te remercie Isabelle de nous avoir donné la... Oh, excusez-moi, je bafouille un peu, c'est l'émotion. Je bafouille un peu, cher ami. De nous donner la primeur de 6 heures. Et j'espère que, eh bien, on entendra parler, tout comme Jérôme l'a aimé, lui, déjà on entend beaucoup parler, mais au moins qu'on va pouvoir voir réapparaître un peu Alain Musichini sur le milieu de l'accordéon. Parce que ça fait malheureusement nous un peu. Moi, je l'ai connu avec toi, Isabelle, quand on a à l'époque où il faisait son orchestre musette. Et à l'époque, c'était comme il collaborait beaucoup avec Michel Pruvot. Oui, exact. Hein. Ils avaient tous les deux. Ils avaient mis tous les deux. Il y avait un groupe, un faux piano d'ailleurs, mais c'était. Je les voyais arriver avec l'orchestre. Il y avait un piano sur. Il y en avait même qui en avait deux pianos sur scène. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors la période de l'orchestre, on ne peut pas passer à travers, hein. Alain, il a un parcours un peu, il a un parcours déjà de vainqueur du championnat du monde d'accordéon classique, donc il a commencé par classique, il jouait dans les églises, voilà, il jouait des œuvres de Bach, des choses comme ça, puis après ça, bah, il a tout simplement monté son orchestre en 86. Orchestre que tout le monde connaît, hein, Jérôme y connaît, Jean Do y connaît, toi aussi tu connais. Orchestre prestigieux qui était vraiment de 22 musiciens. Et puis ben voilà, il a fermé cette page-là le 30 août 2016 exactement. Et là, il a eu envie d'aller vers le jazz, mais c'est pas d'aujourd'hui. Parce que le jazz, c'était quelque chose qu'il a commencé quand il était tout jeune, quand il travaillait chez Jacques Mornay à l'école du Thor. Alain, le soir, quand il avait fini les cours, les répètes, les choses comme ça, ben, il prenait l'accordéon et puis jouait avec les deux fils de Jacques Mornay et il tapait le bœuf, pour s'éclater, quoi. Donc, il avait, je sais pas, c'était dans les années 80, il avait 18 ans, quoi. Après, ça ne l'a jamais lâché, mais bon, ayant monté l'orchestre, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, il s'est consacré à l'orchestre. Maintenant, il a envie de passer à autre chose. Et en 2017, il a créé son premier quartet de jazz. Donc là, on le retrouve dans des compositions, dans le teaser qu'il a fait exprès pour l'émission, là, puisque c'est pour toi, Jacques, qu'il a voulu réaliser justement ce nouveau teaser 2020. Et bien, il commence par un hommage
C'est trois de ses compositions. Et la première composition s'appelle tout simplement Hello Brubeck, puisque c'est en hommage au compositeur de Tech Five. Vous connaissez sûrement, sûrement tous le thème tabadabadabada, papa, papa, etc. Dave Brubeck, pianiste américain de jazz, ça tombe bien, c'était le 100e anniversaire de sa naissance en 2020, puisqu'il est né en 1920, Dave Brubeck. Donc, il commence par un hommage à Dave Brubeck, et puis après, il continue avec deux autres compositions, Itinéraire bis et Alboriquito. Allez, on écoute ça et prenons du plaisir. Voilà, bon, bah, Isabelle, après, tu nous tiendras au courant des suites des événements. Jérôme, alors, moi, je voulais vous faire rire. Quand je vous dis que, au début, Alain aimait bien le jazz quand il était jeune, regardez ce que j'ai retrouvé. Ça, je vais vous dire, c'est la première pochette du disque qui a été enregistré à l'École du Thor. Alors, ici, vous voyez le quartet de jazz, où on le voit avec les deux fils de Jacques Mornay, et puis un certain Patrick Nouchet, qui a été le batteur dans son orchestre. Donc voilà, c'était pas. Il y a eu deux albums comme ça.
Un où il y avait les feuilles mortes et puis l'autre où il y avait Au Privat de Charlie Parker. Donc, c'était les années 90. Jérôme, tu n'as jamais enregistré le morceau de jazz ou tu t'es jamais lancé là-dedans, toi? Si. Alors, pas vraiment le jazz pur et dur, mais j'avais enregistré un CD en duo avec Jeff Rossi, le fils de Joey Rossi à la guitare. Et puis là, je suis en préparation d'un album complètement concertant où on va se frotter au jazz, à la musique classique et beaucoup à l'improvisation et la musique sud-américaine également, quoi. Oh, alors dis donc, Jacques, j'ai un truc à demander à Jérôme. Ce disque, on le trouve où, celui où tu es avec Jean-François Rossi? Parce que alors, moi, ça fait des mois et des années que je le cherche. Impossible de le trouver. Hein. Ah oui, alors on ne le trouve plus. Alors comment on fait? On demande à Jérôme Richard une copie? Une copie, oui, et oui, je pourrais t'envoyer ça sans problème, même par WeTransfer ou quoi. Mais c'est un disque qui était coproduit par, excusez-moi. Non, c'est pas grave. C'était un disque qui était coproduit par Sony Publishing et Tansbar. À l'époque, c'était Philippe Krum, accordéon magazine, hein, tout le monde a connu, avec qui on avait fait ça. Et ensuite, il y avait eu beaucoup de volumes de sorties rendant hommage à plein d'accordéonistes. Donc, avec voilà, j'avais eu ce plaisir justement de faire ça avec Jean-François Rossi, cet album qui est très très vite parti. Il faudrait se renseigner s'il y aura du retirage ou pas, mais c'est vrai qu'il m'est souvent réclamé ce disque. Il a déjà. Moi je l'ai fait maintenant que celui-là, il me le faut absolument. Hein. Bon, bien, écoute, c'est promis, je te l'enverrai. D'accord. Mon petit gilet, on y va, on reprend le. Parce qu'on va les laisser parler, on peut plus, on va aller boire le café, alors c'est bon. Eh bien, je vous ai choisi quelque chose de bien, un passo. Alors, les passos, il y en a plein de Richard. Oh, bah oui. J'avais le choix. Alors, le passo de Ségovie aussi, c'est un monument. Et là, j'ai trouvé Le Retour de Grenade. We'll be right back.
la fin de l'année arrive, malheureusement, on est tous pareils, et tout encore plus que certainement que certains. Aujourd'hui, les fêtes de fin d'année vont se passer tristement au niveau musical, je veux dire. Oui, c'est sûr, on est pressé d'enterrer cette année 2020 qui est un désastre. Hein. On est arrêtés tous depuis le mois de mars, bien évidemment. Mmh. On est toujours sans perspective de reprise. Si ce n'est que, moi je considère qu'on ne reprendra jamais avant le mois de septembre 2021, officiellement. S'il y a des choses qui se créent avant, de toute façon, on a une interdiction de travailler par rapport à la distanciation des danseurs jusqu'au 21 avril. Ça, c'est acté, c'est le gouvernement. Si on arrive à bosser et à travailler en concert ou en bal, etc., au mois de mai, juin, c'est ce que je dis, ça sera bonus, quoi. Mais aujourd'hui, on est malheureusement tous à l'arrêt, sans perspective officielle de date. Ah, il nous restera les danses en ligne avec 1,50 m entre les danseurs, il va falloir des grandes salles. Hein, quand... Mais même les danses en ligne, tu vois, les gens ont perdu des réflexes, des habitudes. C'est-à-dire que le programme de bal, par exemple, que l'on avait au mois de janvier 2020, si on reprend, comme je le disais, en septembre 2021, ne sera absolument pas le même, puisque les danseurs ont perdu ce côté sportif. Donc, une valse, au lieu de la tourner 3-4 minutes, ils vont la tourner 1 minute 30 ou 2. Il y a des danses en ligne qui étaient récentes et nouvelles qui ne sont plus dans la mémoire des uns et des autres. Et je pense que l'accordéon, comme les autres instruments, va plus arriver finalement sur l'événementiel que du pur bal. On voit très bien aujourd'hui nos organisateurs, qu'ils soient professionnels, dancing ou associatifs, excusez-moi, professionnels ou associatifs, etc., que malheureusement, on est en train de perdre de nombreux organisateurs, de nombreux danseurs et les musiciens également qui se posent beaucoup de questions aujourd'hui, qui jettent l'éponge ou qui changent de direction. Oui, malheureusement, j'en ai appris. Il y en a qui changent de métier. C'est quand même un truc un peu extraordinaire. Quoi. Enfin, bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. On va écouter un bout, mais puisque tu parlais de valse. C'est ça que Jacques, je voudrais juste rebondir sur les émissions comme tu fais, toi. Comme on fait, que ce soit moi ou toi, justement avec Zoom, parce que ça garde un lien justement, non seulement avec les musiciens, mais avec le public qui est de plus en plus nombreux à découvrir justement sur les chaînes YouTube, que ce soit la tienne, une autre, voilà, les émissions, et ont plaisir justement à pouvoir revoir les musiciens qu'ils ont l'habitude de suivre. Donc c'est important ce lien. Faut absolument. C'est pour ça que je pense que nos émissions, Isabelle, sont importantes parce que il y a les habitués de Jérôme qui vont voir ses lives le matin, les habitués de Clément, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns qui font des mais qui bon ça c'est les habitués. Mais je pense qu'à travers nos émissions et les invités qu'on a, il y en a qui découvrent d'autres accordéonistes et qui vont automatiquement, puisque nous on fait la publicité avec Jérôme. Des liens avec JD, on mentionne en fin d'émission tous les liens que les gens peuvent aller voir pour voir ces accordéonistes. Je pense qu'on essaye d'aider un peu à découvrir et justement à insérer ces accordéonistes que les gens ne connaissent pas dans le sud, par exemple, ou dans ta région où on veut. Je pense qu'au moins on aura peut-être cette fierté de dire on a un peu participé à ça, quoi. Enfin, j'espère. Oui, et c'est vrai que les gens aujourd'hui, avec le confinement, ne sortent plus. Donc, ils écoutent la radio, ils se sont mis en masse sur les réseaux. Exact. Beaucoup d'entre eux ne voulaient pas forcément entendre parler d'Internet il y a encore quelques mois de cela. Et aujourd'hui, ils ont appris facilement, ils ont la tablette, l'ordinateur. Et ils découvrent aussi de nouveaux artistes, de nouveaux groupes et se prennent d'amitié ou d'amour pour tel ou tel invité, tel ou tel artiste. Et ça, c'est ce qui va changer aussi pour la suite des choses. C'est-à-dire que le métier, il y aura toujours de la musique. Une vie sans musique, c'est juste impossible. C'est ce que je dis aux gens, regardez un film et coupez le son et on rigole. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt, bien sûr. Donc, la musique reviendra, mais différemment. Il y a beaucoup de changements. Là, on est en pleine mutation et quand on redémarrera, le redémarrage se fera, mais différemment, c'est sûr. Alors, regarde ma petite fierté, moi, c'est que la semaine dernière, j'ai pu, suite à l'émission de Clément, vous savez qu'on a un ami qui a un dancing, enfin qui organise des thés dansants de sa cuisine tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis soirs. Oui, Pascal Rossi. Et je lui ai envoyé les enregistrements de Clémence. Il l'a invité la semaine dernière, un peu par le son.
et elle a eu un succès fou. Hein. Alors qu'en région parisienne, on ne la connaissait pas du tout. Donc je me dis, bah, tu vois, ça, au moins, on aura participé à quelque chose. Et voilà. Voilà. Ma fierté. C'est bien. Bravo. Merci. Bon, voilà. Bon, ben, alors, j'attendais des hola et tout. Tout le monde s'en fout. Alors on continue. Donc on en est où, mon petit JD ? Eh bien, on va retrouver Jérôme dans sa version bal. Et là, c'est un enregistrement de 2018 à Happy Loubressac. Et c'est un medley de valse avec Jérôme à l'accordéon. Alors, la chanson, c'est parti. Sous les fonds de... Tiens, voilà, c'est pas mal. Thank you.
Voilà, superbe valse. Je vois au programme derrière, Jérôme, on va passer un morceau où il y a la participation de Michel Monaco. Michel Monaco, c'est un chanteur, je ne me trompe pas. Un chanteur, oui. Il est tout près de Lyon et c'est un chanteur que j'ai découvert il y a un an de cela. C'est un chanteur qui a fait énormément de premières parties de chanteurs très, très connus. Hein. Et il est devenu une image des émissions 1, 2, 3, musette, 1, 2, 3, danser. Il se fait appeler aujourd'hui le chanteur romantique des émissions, justement. C'est vraiment un personnage, beaucoup de charisme et d'une gentillesse inouïe. Quoi. Il est grand en plus. Hein. Il est grand, il plaît beaucoup à ses dames, c'est vrai. Ah, Monaco, vous vous rappelez ce que c'est que le Monaco? Enfin bon, on ne va pas revenir, donc la culture. C'est son vrai nom. Hein. Ouais. C'est son vrai nom, ouais. Parce qu'en fait, il a fait un album, il vient de faire un album, là, du coup. Hein. Il a, avec ses chansons, laisse passer le temps, qui est magnifique. Et là... Ben, il a repris, cette valse va être un tube. Je le dis, je le répète et je le répète. Merci, oh ben. Papy. Jérôme, présente-nous, merci Papy. Ben, merci, Papy. Voilà, c'est encore l'une de ces chansons que j'ai eu la chance de composer durant le confinement sur un petit bout de papier, comme ça. Et c'est une mélodie toute légère, toute simple. Et c'est vrai qu'elle remporte un franc succès en ce moment. Et on en entend beaucoup parler. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Je me souviens quand on riait, assis sur un banc devant la maison, quand on dansait, quand on chantait, et toujours au son de l'accordéon. Merci, merci, merci papy, pour tout ce que tu m'as appris. Merci, merci, merci papy, tu me manques tant aujourd'hui. Merci, merci, merci papy, pour tout ce que tu m'as appris. Merci, merci, merci papy, tu me manques tant aujourd'hui. C'est jamais gris. Merci, merci, merci papy, pour tout ce que tu m'as appris. Merci, merci, merci papy, tu me manques tant aujourd'hui. Merci, merci, merci papy, pour tout ce que tu m'as appris. Merci, merci, merci papy, tu me manques tant aujourd'hui. Bon, ben voilà, on va continuer cette émission. Alors là, tu nous as préparé, mon petit JD aussi, une autre face un peu qu'on connaît moins de Jérôme. Qu'on connaît moins, oui, qu'on connaît moins. J'ai un peu fouillé là, comme je fais d'habitude. Le temps que ça tourne sur YouTube, je peux attendre 10 minutes et puis tout d'un coup, il y a le trésor qui arrive. Et là,
C'est un concert qui a été enregistré aux Pays-Bas. Jérôme ? Pays-Bas. Pays-Bas. Oui. D'accord. En 2012. Oh. A été accompagné avec Jean-Pierre Duclé. Ah, ok, ça y est, j'y suis. Okay. Voilà. Le temps que ça arrive. Le temps que ça arrive. Non, mais j'avais en tête un autre concert que j'ai revu l'autre fois, bizarrement. Je ne sais pas si c'est sur YouTube ou Dailymotion d'ailleurs. Où c'était en Norvège aussi. Ah non, enfin Norvège, je n'ai pas trouvé. Ça... J'ai trouvé les Pays-Bas en tout cas. Monsieur Jean-Pierre Duclé au piano. Monsieur Jean-Pierre, attendez. Il vous fait bien. Thank you.
Voilà, c'est fini, vous avez compris maintenant, voilà, les deux facettes, les autres facettes de M. Jérôme Richard que vous avez vu aussi en tant qu'animateur, parce que moi je t'ai apprécié aussi en tant qu'animateur d'émission. Tu te débrouilles bien aussi, hein. T'es professionnel, quoi, je veux dire, c'est pas de la rigolade, hein. C'est pas évident parce qu'on enregistre tellement d'émissions dans une journée, c'est vrai que ça trace, quoi. Hein. On passe du bon temps le soir, etc., hors studio, mais c'est vrai qu'on enregistre 10-11 émissions par jour quand même. Donc c'est de 9h à 18h, on est en studio, quoi. Ouais. Et mais là, je répète encore ce que j'ai dit parce qu'il y a des gens qui vont regarder toutes les émissions. On va dire le papy, il se répète un peu. Non, je ne me répète pas du tout. Dans vos émissions, ce qui ressort vraiment, c'est l'amitié, la convivialité. Et ça, c'est un truc. Bon, d'ailleurs, que quand tu arrives, tu n'es pas ignoré. Tu ne viens pas pour jouer un morceau et on te dit salut, au revoir, à bientôt. Je veux dire, il y a toute une organisation autour. Il y a le repas, il y a l'amitié, il y a les moments de convivialité. Pour moi, c'est très important et c'est ce que j'apprécie. D'ailleurs, les gens dans 1, 2, 3 danser, par exemple, les gens qui viennent danser, font partie un peu de cet univers. Je vais te dire un truc un peu surprenant. Dans ma petite carrière, j'ai fait quelques émissions. Il y a des gens qui venaient danser, tu ne les connais pas. Mais ces gens-là, aujourd'hui, m'envoient des petits mots, Jacques, etc., etc. Quand est-ce que vous venez? Quand est-ce qu'on se voit? Donc ça, c'est des choses qui te marquent un peu et qui te disent, ben, en fait, tu es content de participer à ces émissions. Et pour ça, je te remercie. Je veux associer à ça l'accueil de Pierre-Yves aussi, qui est important. Bien sûr. Ouais. Ton frère et la maquilleuse, qui est une personne très agréable. Très gentil. On sent qu'il y a une maquilleuse, on sent que voilà, il y a non, une. Non, mais non, mais arrêtez. Mais non, parce que déjà, elle m'a dit que moi, j'avais déjà une belle peau. Bon, c'est vrai, mais ça, c'est personnel, ça ne me regarde pas. Mais on sent la personne qui est là aussi, qui n'est pas forcée, elle n'est pas là. C'est certainement que c'est son métier, etc. Mais on sent qu'elle est contente de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la caissière du supermarché qui te regarde en disant quand est-ce que tu t'en vas, toi. Elle est contente d'être là. Et moi, ouais. Je trouve que c'est fait par. Non, mais c'est important. Les techniciens, ils te disent bonjour, les mecs. J'allais y venir, justement, parce que les techniciens, il y a des jeunes et des moins jeunes, même dans les cadreurs, etc. Il y a une super entente entre les invités, les artistes, etc. Et l'équipe technique, vraiment, de Vosges Télé, ce sont des gens, gens super, super, vraiment. Et ils aiment l'accordéon, ou ils ont appris à le découvrir aussi. Hein. Ah oui, bah, j'ai discuté avec un ou deux jeunes, j'ai dit, dis donc, t'es pas l'accordéon, t'es servi. Et c'est la même équipe à chaque fois qu'il vient ou pas? C'est la même équipe? C'est toujours la même équipe. Après, il arrive quand même qu'il y a un ou deux cadreurs, ce sont des intermittents aussi qui bougent, mais depuis 10-11 ans, on se retrouve et on est toujours très heureux de retrouver les équipes techniques aussi. Ouais, c'est super. Voilà. Et j'aurais y associé aussi dans un, deux, trois musettes, les musiciens qui sont là. Qui sont oui, les musiciens. Ah ouais. Les trois musiciens, tu peux les nommer, non, Jérôme? Oui, alors ils ont changé sur 11 ans d'émission, ouais, c'est normal. Philippe aussi, malheureusement, n'est plus de ce monde-là. Mais les musiciens actuels, donc Francis Valentin qui est là depuis le début. Donc ça, c'est le batteur qui est un grand passionné de l'accordéon. À la guitare, c'est Franck Nogan. C'est un copain musicien qui habite, qui n'est pas dans les Vosges, lui, qui est du côté de Rennes. Et le claviériste pianiste, c'est Pascal Thévenin, également musicien. Il joue de l'accordéon aussi. Hein. Et il joue très bien l'accordéon, de la Meuse, il nous vient, de Verdun, comme le batteur. Ben voilà. Donc, c'est un petit. Donc, Isabelle, si tu viens, tu verras, tu pourras apprécier ce genre de. Tu pourras. L'ambiance. J'avais juste une question à poser à Jérôme. Ça fait combien de temps que tu fais des émissions? Alors, l'émission 1, 2, 3 musettes avait été créée par Pierre-Yves Lombard en 2009, je crois précisément. Moi, je suis arrivé en février 2010. On avait tourné sur des. Les tournages se réalisaient à Lyon. On a fait une première session à Lyon. Et après, on est monté dans les Vosges, dans les studios de Vosges Télévisions à Épinal. Et l'émission 1, 2, 3 danser, ça fait déjà deux ans et demi, je ne sais plus exactement, qu'elle existe. Et déjà. Ça fait 10 ans, quoi, à peu près. 10, 11 ans. Oui, c'est ça. Jamais d'émission de radio? T'as jamais animé d'émission de radio? Alors, si, avant, quand j'habitais encore Cholet, puisque maintenant je suis dans le 44, du côté de Nantes, j'animais une émission par semaine sur Cerizet. Alors, Cerizet, c'est dans le 79. Et c'était une émission qui se déroulait sur une radio locale.
Et j'ai animé cette émission durant 5-6 ans quand même. Ouais. Oui, quand même. Mais c'était, j'ai adoré, c'était une belle expérience aussi. La radio, c'est encore un autre univers. C'est sympa, ouais. Voilà. Donc, avant de terminer l'émission, quand même, on se dira au revoir après. Si tu veux bien, Julien, je pense qu'on va déjà se dire peut-être un au revoir en espérant qu'on va se retrouver dans des salles publiques dans peu de temps ou dans des émissions, etc. C'est un morceau que j'adore, moi. Ah, moi aussi. Et en plus, je suis capable de le chanter et merveilleusement bien. Moi aussi, pareil. Je le connais par cœur. C'est quelque chose. Ne rigole pas, Isabelle, ne rigole pas. Ne rigole pas, je suis attentive. Tu ne connais pas les paroles. Et si tu veux aller dans cette émission, il va falloir que tu te les... Ah oui, il faut que tu les prennes par cœur. Il faudra les apprendre, Et c'est quand même autre chose que dire le solfège. Alors, on y va. Alors, ça s'appelle « Au plaisir de se revoir ». Ah oui. C'est une composition combien d'années, ça ? Ouais, n'empêche que ça a vachement de succès. Hein. Ah oui. C'est un titre ni trop triste, ni trop. C'était pas évident, justement. Oui, mais c'est sympa. Voilà, ça swing un petit peu, ça fait plaisir. Et j'allais y venir, justement, concernant les émissions, parce que les gens ne comprennent pas forcément. J'ai eu tout à l'heure une dame, par exemple, du Mans, qui me dit voilà, j'ai les émissions sur la chaîne 33. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les émissions, si vous habitez, par exemple, le Mans, vous allez capter la chaîne locale du Mans. Ça, c'est normal.
Par contre, si vous habitez Le Mans, on va garder cet exemple, et que vous vouliez capter la chaîne des Vosges, par exemple, ou via Occitanie, là, il vous faut impérativement une box et un décodeur. Vous en faites la demande à votre opérateur téléphonique pour pouvoir capter l'ensemble des chaînes locales de France. Sachez quand même qu'à partir de 2021, je n'ai pas la date précise, on ne pourra plus regarder la télévision avec, sans décodeur, sans box. Aujourd'hui, il y a 3/4 de la population en France qui regarde la télé via une box. Donc, c'est important de se renseigner auprès de son opérateur. Il n'y a pas d'abonnement supplémentaire à payer. C'est compris déjà dans votre forfait téléphonique. Il faut justement faire la demande. Mais on ne peut pas regarder sur Internet les émissions. Alors, sur Internet, on retrouve l'ensemble des émissions sur le site internet 123musette.fr. Mais pour cela, nous, on est obligé d'attendre qu'elles aient été diffusées sur les chaînes télé pour les émettre sur le site, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur 27 chaînes. Ça représente environ 7000 diffs l'année. Et c'est toujours agréable d'avoir la chaîne des Vosges, de Rennes, d'Angers, du Mans via Occitanie. TL7, c'est sur Saint-Étienne, Canal 32 dans l'Aube. Île-de-France, c'est Demain TV. Je crois. Oui. Ta TV Azur aussi. TV Azur également, ouais. Il y en a 4. Donc, ouais, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. On va aller chercher. Il y en a 24. Il y en a 24 dans toute la France qui diffusent l'émission. Et 4 chaînes en Belgique, c'est ça? C'est ça, ou 3 ou 4 chaînes en Belgique également. Voilà. Donc n'hésitez pas, j'ai mis à jour mon site internet, rubrique télévision, où on retrouve précisément le nom des chaînes, le nom des émissions, ainsi que les horaires bien précises, les chaînes aussi en fonction de son opérateur, etc. Tout est bien détaillé. Donc le site www. Jérôme Richard. Non, jérôme-richard.fr. Jérôme-richard.fr, voilà, ou le site 123musette.fr. Moi, je tiens à vous remercier. Isabelle, je te remercie pour ta participation. Merci. Et toi, tu es la marraine de l'émission. Donc, Mais j'aime bien justement venir faire un tour. Et quand tu m'as dit Jérôme est là, j'ai fait « je peux pas venir, j'aimerais bien, ça fait longtemps que je n'ai pas venu. » Ça fait plaisir, ouais. Voilà, bon, bah comme ça, puis le prochain coup, on se retrouvera peut-être dans les Vosges, ma petite Isabelle. Moi, je serai à l'entrée pour les billets, parce que je pense que je peux m'initier dans l'organisation. Je pourrais me mettre à l'entrée, moi. Comme ça, je pourrais filtrer un peu les gens. JD, je t'embrasse parce que tu fais un travail fabuleux. Je tenais à te remercier encore de ta gentillesse et de ta participation. Merci. Et puis, Jérôme, tu nous as consacré pratiquement 2 vendredis dans ces émissions. Et je te remercie infiniment, c'est une preuve d'amitié et je t'en suis reconnaissant. Merci. À bientôt, les enfants, et passez une bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année. Salut. Merci. À bientôt à tous. Ciao. We'll be right back.
moment.